Si certains pensaient vraiment que le fait de m'habiller en fille allait changer le contenu de mes vidéos, visiblement pas du tout. À tout moment, je lâche un paix, ça va être génial. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'habiller en fille. Bon, après, je vous avoue que j'ai pas changé les bonnes habitudes et... il y a toujours les chaussettes pilou-pilou. Coucou. Et histoire de rendre le truc encore un peu plus féminin, j'ai fait péter le petit haut qui laisse une petite vue sur l'épaule. Et du coup, on voit mon gros trapèze. Ça faisait tout de suite un peu moins féminin là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Parce que oui, vous êtes de sacrés curieux. Et que ça fait quand même un an que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Du coup, je vous ai demandé sur Twitter et Instagram de m'envoyer vos questions pour que je puisse vous répondre. Comme d'habitude, la vidéo n'a toujours pas commencé. Mon intro dure depuis 3 minutes. Il serait peut-être temps de passer au vif du sujet. On est parti. Dis-nous la recette du bonheur. De la patate douce, du beurre de cacahuète et de la Ben & Jerry's. La recette du bonheur, je ne l'ai pas, tout simplement parce que le bonheur, on le crée, qu'il est propre à chacun. La meilleure chose que je pourrais vous dire, c'est de créer votre propre bonheur, de créer votre propre chance, d'entreprendre les différents projets que vous avez envie de réaliser. Mais s'il y a une petite astuce que je peux vous donner, c'est de toujours positiver avec le plus beau des sourires, parce que je trouve que le sourire, c'est ce qui rend toutes vos journées beaucoup plus belles. Salut Juju, tu fais beaucoup de recettes, comptes-tu sortir un livre de cuisine par la suite? Continue ce que tu fais, tu es au top. Passe le bonjour à Thibaut. Bonjour Bibao. Oh le vent. Bibao, je t'ai dit bonjour de la part d'un abonné. Bonjour. Pour tout vous dire, j'ai signé avec une maison d'édition. Ça y est, donc le livre est prévu vers septembre 2019. Un livre, ça demande beaucoup de travail, notamment un livre de recettes où il faut imaginer les recettes, cuisiner les recettes, être sûr que les recettes soient bonnes, histoire de ne pas étouffer ses abonnés. Ok, ça y est, je l'ai, putain. Au bout de 4-5 essais, je crois que cette fois-ci on est bon. C'est un des projets les plus importants que je vais concrétiser avec vous et pour vous. Donc j'ai trop hâte de vous le sortir. Avant d'être youtubeuse, tu avais un travail ou alors qu'est-ce que tu aurais voulu faire d'autre? Déjà, cette question me fait énormément plaisir parce que cette personne réalise qu'être youtubeur, c'est un travail. On vous montre pas tout, mais on s'investit énormément dans ce qu'on fait pour vous. C'est vraiment une véritable vraie passion. J'ai dit 3 fois vrai dans cette phrase, c'était très bizarre. Alors non, j'avais pas de travail avant d'être sur YouTube, tout simplement parce que j'étais en études. J'ai fait des études de biologie, santé, option biochimie et nutrition sportive. Il faut savoir que j'étais une sacrée intello, hein, du genre 15 de moyenne générale. Simplement, j'avais pas d'idée en fait concrète du métier que je voulais faire après ces études-là. YouTube est arrivé au moment où j'ai terminé ma licence et que j'étais acceptée en master. Il a fallu faire un choix et aujourd'hui, bah, vous me rendez juste extrêmement heureuse. Vous êtes juste des amoureux avec moi, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je regrette aucunement mon choix, je suis super fière de travailler autant tous les jours pour moi et pour vous. Est-ce que tu envisages une nouvelle compétition? La première était vraiment incroyable, non, en tout cas pas en culturisme, ça demande beaucoup de sacrifices, que ce soit en termes d'entraînement. De nutrition, de vie sociale aussi. Et même si j'ai adoré vivre cette expérience et que pour moi ça a été une des expériences les plus enrichissantes sur moi-même de ma vie et que ça m'a permis de vaincre un combat contre moi-même, je suis un petit peu compétitrice dans l'âme, donc c'est sûr qu'un jour je remonterai sur scène et que je referai très certainement une compétition de culturisme, mais pas tout de suite. Pour l'instant j'ai d'autres projets de compétition dans d'autres domaines. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de quel type de compétition j'aimerais préparer à l'avenir. Comment appellerais-tu tes enfants, nom de fille et de garçon? Je sais depuis plusieurs années le nom que je veux donner à mes futurs enfants. Pour une fille, j'adore le prénom Clélia. Et pour un garçon, j'adore le prénom Isaac. Tout simplement parce que quand j'étais adolescente, je regardais une série qui s'appelait Physique ou Chimie. Je sais pas si vous connaissez, ça faisait Physico-Chimica. Ouais, voilà. Et il y avait un super beau gosse dedans qui s'appelait Isaac. Et du coup, j'adore ce prénom. À quand le mariage et le bébé? Heureusement qu'il a ses écouteurs et qu'il est en train de faire son montage, parce que s'il était en train d'entendre ce que je suis en train de tourner, je pense qu'il ferait une syncope. Ah, on est en train de me demander c'est quand le mariage et le bébé.
ce rire nerveux. On est jeunes, on a des projets, on a envie de voyager, de continuer à s'investir dans nos projets professionnels. Donc, on va y aller mollo, les gars. Hein, j'ai pas encore envie d'avoir le bid qui ressemble à un ballon de baudruche, même si je trouve ça magnifique sur les femmes enceintes. Pour l'instant, je suis pas prête. Quand tu auras 45 ans, tu te verrais encore faire de la musculation? La réponse est oui. Pour autant, ça veut pas dire que j'aurais peut-être pas envie de faire d'autres activités à côté, tout simplement parce que ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui nous plaira dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de mal, c'est normal d'avoir des envies différentes au cours de la vie. Comme vous voyez, j'ai démarré le crossfit tout simplement parce que j'avais besoin d'un peu de renouveau. Je peux pas dire que dans 25 ans, j'aurais pas envie de démarrer aussi un autre sport. Je suis quelqu'un de très curieuse, j'adore découvrir des nouvelles choses. Pour autant, aujourd'hui, je me vois pas du tout arrêter la musculation. C'est mon bien-être quotidien, c'est ce qui me permet aussi de continuer à être forte face aux épreuves que j'avais traversées à l'époque. L'anorexie, c'est quelque chose dont on peut guérir, mais on garde toujours quelques petits travers. Quand je suis par exemple blessée, que je suis obligée de ralentir un petit peu les entraînements, je me sens un petit peu faible et parfois j'ai cette crainte de redevenir la Juju que j'étais avant. Est-ce que Thibaut pète la nuit? Ah bah pas que la nuit hein. Mais bon, en même temps, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis pas beaucoup mieux. Faut pas m'en vouloir les gars, c'est la nature. J'ai pas vraiment trouvé mieux comme justification. Et le Juju, je voudrais savoir combien de temps ça t'a pris exactement pour vraiment te transformer comme tu le souhaitais. Quand j'ai commencé, donc comme vous le savez, j'étais très maigre. Ça m'a pris un an pour reprendre seulement 5 kilos. Et puis ensuite, j'ai tout de suite démarré une prise de masse pour ma préparation de compétition qui a duré un an. Pendant cette année-là, j'ai fait 8 mois où j'ai pris quasiment 10 kilos. Donc au total, ce qui faisait 15 kilos sur 2 ans. Et ensuite, j'ai reperdu ces 10 kilos-là pour être sèche, pour être sur scène. Et là, maintenant, je suis à plus 5 kilos par rapport à mon poids de compétition. J'ai des périodes où je mange un peu plus, les bons plats d'hiver, la bonne raclette. Mon Dieu, ce que j'ai hâte de faire péter la raclette. Du coup, bah, j'ai tendance parfois l'hiver à avoir un peu plus de fesses, un peu plus de cuisses, les abdos qui sont un peu moins visibles. En ce moment même, par exemple, bah, je suis un peu plus fine parce que je vous avoue aussi qu'avec la pratique du crossfit, ça m'a fait un petit peu fondre. J'ai un physique un peu plus athlétique et en fait, je me rends compte que je me sens bien dans ce physique-là. Mais en fait, tout ça pour vous dire que, en fonction des étapes de notre vie aussi, nos envies en termes de physique évoluent. C'est-à-dire que c'est pas figé non plus. Vous pouvez très bien avoir envie d'être un peu plus massive à certaines périodes. Vous pouvez aussi très bien apprécier d'avoir des rondeurs parce que ça vous plaît, c'est ce qui fait votre charme. Vous pouvez apprécier d'être beaucoup plus fine, d'être plus athlétique. Bref, en fait, ça dépend de chacun, ça dépend de quel physique vous avez envie d'atteindre et ça dépend vraiment des périodes de votre vie. Moi, la première, en l'espace de 3 ans, je me suis sentie bien dans plein de physiques différents. Tout le monde n'évolue pas pareil. Donc, je peux pas vraiment vous donner un laps de temps précis. C'est pas parce que moi, j'ai mis X temps à obtenir X physique que vous allez mettre le même temps que moi. Il faut simplement que vous appreniez à accepter votre corps, à comprendre quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, de façon à travailler avec lui et non pas contre lui. Et c'est comme ça que, étape par étape, vous allez apprendre à vous apprécier, que vous allez voir aussi les meilleurs changements qui vont s'opérer sur votre corps et que vous allez vous sentir bien tout simplement et vous sentir bien avec vous-même. C'est ce qui vous permettra de vous sentir bien aussi avec les autres et d'avoir une vision totalement différente de votre physique. À chaque fois que vous me posez des questions là-dessus, je me rends compte à quel point je pars dans des textes philosophiques qui partent dans tous les sens. Ça n'a ni queue ni tête cette histoire, mais j'espère que vous comprenez l'idée à chaque fois que j'essaye de vous faire passer. En même temps, mettez-moi une caméra devant moi et ne me donnez pas d'horaire à respecter et moi je pars pour une vidéo YouTube qui dure 3 heures hein. Bon, avec certainement une perte d'abonnés assez énorme en cours de route hein, parce que m'écouter parler pendant 3 heures, je pense que ça va vous faire chier. Est-ce que tu pensais te créer une chaîne YouTube entre parenthèses avant de rencontrer Thibaut? Bisous maman FitCat. C'est quelque chose qui m'avait déjà traversé l'esprit, seulement j'étais en études. J'ai très vite compris que concilier YouTube et les études, c'est pas possible. On peut pas être à fond dans les deux. C'est-à-dire que soit on est à fond dans les études et du coup on fait une vidéo YouTube tous les 36 du mois, soit on est à fond dans YouTube et du coup on finit par un peu délaisser nos études. Pour moi, c'était pas possible de faire mes études à moitié et YouTube à moitié, il fallait faire un choix. Et c'est vrai que bah, je me suis sentie vachement à l'aise à la caméra. Donc là, c'est le moment où je reprends la chaîne vidéo. Et du coup, je me suis dit, allez, bah pourquoi pas tenter ma chance? C'est vrai que ça peut être marrant, ça peut me permettre de transmettre aussi ce que j'ai appris au cours de mes études. Et du coup, bah aujourd'hui, je regrette pas du tout, je kiffe ce que je fais, c'est vraiment trop cool de parler à une caméra. Même si j'avoue que j'adorerais vous avoir en vrai et parler devant une salle énorme remplie d'un million de personnes. Non mais vous vous rendez compte, si vous veniez tous les petits chats, eh bien il faudrait... le Stade de France, ça fait 80 000 places. 80 000 places, si c'était 100 000, ça voudrait dire qu'il me faudrait 10 Stades de France. 80 000, on va dire qu'il faudrait... Oh, par contre, je détestais les maths quand j'étais en cours. 11 ou 12 stades de France? Bon, allez, on va dire 11 ou 12 stades de France pour que je puisse vous parler à tous en vrai. Ce serait trop cool. Mais bon, du coup, en attendant qu'on remplisse 12 stades de France, hein. Et
ben je vais continuer à vous parler derrière la caméra, même si parfois ça vous saoule. Tu te vois où dans 20 ans? Toujours derrière la même caméra, avec des méga rides un petit peu partout, en train de vous raconter comment je continue à l'âge de 45 ans à faire des squats. Ouais ouais. Et croyez-moi que la petite Juju, même à 80 balais, elle continuera de bosser le cul. Tout plaquer et faire le tour du monde, est-ce que ça te tenterait? Je suis admirative des gens qui ont ce courage-là de partir avec un sac à dos et de faire le tour du monde. C'est vrai que ça me fait rêver parce que je pense que c'est un bon moyen de s'imprégner vraiment des différentes cultures de chaque pays. Je me vois pas vous dire un jour, bah je lâche tout, salut, bye bye les filles de cash, et maman elle part faire le tour du monde. Non, maman tu restes là, tu t'occupes de nous. Et je me vois pas vous plaquer. On dirait que je suis en train de parler d'une rupture amoureuse, c'est très bizarre cette histoire. Donc non, je ne vous plaquerai pas les petits chats entre vous et moi, c'est pour la vie. Je me dis tout simplement qu'avec le métier que j'ai, bah je peux de temps en temps me dire allez, je vais dans tel pays visiter, etc. et continuer de travailler à côté pour continuer de vous apporter du contenu. Je rêve d'aller au Brésil, je rêve d'aller en Argentine, Colombie, Chili, vous l'aurez compris, je suis très axée pays d'Amérique du Sud. Serais-tu prête à accepter une seconde élection Miss In Shape et remettre ton titre en jeu? Mais c'est mort! Vous avez envie de changer de Miss In Shape, c'est ça? Parce que moi, je vais pas partir. Vous m'avez voulu. Je ne m'en irai jamais. Oh, des trous de nez! J'espère juste que j'avais pas de petit Mickey à l'instant où je vous ai fait ce zoom absolument affreux. Si certains pensaient vraiment que le fait de m'habiller en fille allait changer le contenu de mes vidéos, visiblement pas du tout. À tout moment, je lâche un pet, ça va être génial. Une vidéo sur ton expérience au Canada, comptes-tu retourner y vivre? Faut que j'y réfléchisse pour vous apporter vraiment un contenu intéressant et qui puisse vous aider. Parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir envie de vivre le rêve canadien. Ouais, j'ai remixé rêve américain en rêve canadien, mais je trouvais que ça passait bien. Ça y est, j'ai perdu ma phrase, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que je compte retourner y vivre? À une période, je vous aurais dit oui, parce que à la base, j'avais pas du tout envie de rentrer du Canada pour revivre en France. J'étais beaucoup trop bien là-bas. Et Montréal est et restera toujours ma ville de cœur. Je vais pas vous cacher que maintenant que j'ai mon petit bibao avec moi, j'ai pas très envie de partir au Canada. Comme quoi, l'amour peut vous faire faire des choses. Quelle est ma pire honte? Mais ça, c'est une excellente question. Est-ce que ça compte si je dis les deux fois où je me suis fait pipi dessus quand j'étais petite fille? Mais c'est pas de ma faute, vous savez, c'est le genre de rêve super traître. Tu vas te coucher, tu t'endors et là tu rêves que tu vas aux toilettes. En fait, c'est ton esprit qui est en train de te jouer un tour parce que t'as réellement envie d'aller aux toilettes. Et plutôt que de te réveiller pour te dire allez bouge-toi ma grande, va au petit coin, non, tu pisses dans le lit. Super. Un nouveau défi de prévu après que ton dos soit soigné. En général, en tant que sportif, on a besoin en fait de se fixer des objectifs et de se fixer des défis. Bien évidemment que je me suis fixé un défi et non des moindre parce que ce sera une toute première pour moi. Ça va prendre peut-être quelques mois parce que je veux faire les choses bien et que je veux surtout pas me re-blesser. Mais j'ai vraiment vraiment trop hâte de vous partager ça. As-tu peur du après YouTube ou du moins l'article 13 te fait-il peur? Je sais même pas ce que c'est l'article 13. Je dois être la pire youtubeuse de la terre. Au secours. En revanche, je ne pense pas qu'il faut parler d'un après YouTube. Aujourd'hui, les gens qui font de la télé, quand ils ont démarré, ça devait être aussi fou que nous quand on se lance sur YouTube. Peut-être que leur famille ne leur faisait pas confiance, peut-être que leurs amis leur disaient mais qu'est-ce que tu fais, mais t'es malade, mais la télé, mais ça marchera jamais. N'empêche qu'aujourd'hui, la télé, on en a tous une chez nous, même jusqu'à en avoir dans les toilettes. Les gens qui ont démarré et qui ont fait confiance à la télé il y a de ça 80 ans peut-être, aujourd'hui sont extrêmement bien récompensés parce que parfois c'est des personnes qui ont 70 ans de carrière derrière eux et ça fonctionne encore. Pour YouTube, j'essaye de me dire que c'est la même chose, même si on est dans une génération où tout va beaucoup plus vite, je pense pas qu'il faut forcément, entre guillemets, voir le mal. C'est un réseau qui fonctionne bien. Aujourd'hui, on peut s'imaginer faire une carrière sur YouTube et j'ai pas envie de me dire qu'il y a un après YouTube. Et puis de toute façon, si on vit avec cette angoisse là, en fait on fait rien. Si on se dit toujours que tout va s'arrêter du jour au lendemain ou que peut-être dans 10 ans il y aura plus rien, et bah du coup on n'entreprend pas les choses, on n'essaye pas, on finit par être déçu, par regretter et par se dire mince, pourquoi j'ai pas essayé. Si un jour ça doit s'arrêter, bah j'aurai vécu une expérience incroyable et ce sera grâce à vous. Et bah si ça continue jusqu'à la fin de ma vie, bah j'en serai la plus heureuse et je continue de tout donner pour vous avoir avec moi jusqu'au bout, tout simplement. Est-ce que tu as déjà fumé? Oui, j'ai essayé, j'ai trouvé ça dégueulasse, j'étais même déçue de l'avoir fait et je me souviens même avoir pleuré après tellement je regrettais. La cigarette, c'est le mal. Tout ce qui se fume, c'est
c'est le mal, il faut pas fumer les petits chats. En plus, c'est pas du tout bon pour nos petits muscles. Alors non, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour vos muscles, c'est pas bon pour les sportifs. Non, 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 non. Comment as-tu appris à cuisiner? J'ai pas fait d'études de cuisine pour que je devienne une excellente cuisinière. Enfin, là ça faisait très hautain ce que je viens de dire, comme si j'étais une excellente cuisinière et que tout le monde le savait. C'est pas du tout ce que je voulais dire. J'ai juste appris par moi-même parce que quand j'ai eu ma période justement autour de l'anorexie, etc. En fait, pour moi, c'est devenu un besoin vital que d'apprendre à cuisiner des plats qui étaient sains, mais qui en même temps donnaient envie de manger. Comment as-tu annoncé à tes parents que tu étais célèbre? C'est trop mignon cette question. On n'est pas des célébrités, on est juste des petits youtubeurs qui vous partageons notre passion de tous les jours et qui essayons à travers nos expériences personnelles de vous apporter un maximum de choses. Mes parents me suivaient sur Instagram parce qu'en fait j'ai démarré mon compte Instagram quand je vivais au Canada et du coup ils ont continué à me suivre, etc. Donc en fait ils ont vu l'évolution et du coup le jour où je leur ai dit faites-moi confiance, laissez-moi essayer de devenir youtubeuse pendant un an, on verra ce que ça donne. Ça a pas été facile pour eux au départ, j'avoue. Et puis finalement ils m'ont fait confiance et aujourd'hui bah je leur fais des gros bisous et je les remercie parce que ils me soutiennent énormément. Et papa, maman, si vous voyez la vidéo, bah je vous fais des gros bisous et je vous aime très fort. C'était l'instant in love family de Juju. Quel âge as-tu en mentalité? Si tu ne le sais pas, fais un test pour le savoir. J'ai pas besoin de test pour savoir que ma mentalité relève parfois de l'âge d'un enfant de 12 ans. Non mais je sais être mature quand il faut être mature hein, quand même les petits chats. Est-ce que tu as pensé un jour à arrêter YouTube? Non, j'aime beaucoup trop ce que je fais, je vous aime beaucoup trop vous. Vous me faites confiance, vous êtes là tous les jours, vous m'apportez beaucoup de choses et je me vois pas du tout, du tout, du tout vous abandonner. Quel est ton sport préféré sans compter muscu, crossfit, équitation? Qu'est-ce qui me reste? Je sais, je suis une passionnée de danse. Non mais les petits chats, j'aime trop danser. Si je pouvais, je danserais absolument partout. Mais quand je dis partout, je ne rigole pas. C'est-à-dire que je peux littéralement danser partout. Voilà, voilà. Est-ce que tu as l'impression que tu as changé en un an et qu'est-ce que tu retiens de plus beau de cette année? Non, je pense pas pouvoir dire que j'ai changé. Je suis toujours la petite Juju que ceux qui me suivaient avant que je crée ma chaîne YouTube, etc. connaissent. J'ai toujours été le plus naturel possible avec vous. Je me suis toujours montrée démaquillée le matin au réveil. Je vous ai toujours fait des stories aux toilettes. Ça date pas d'il y a un an, ça date du début de mon compte Instagram. En direct des toilettes, comme d'habitude, je vous annonce que ce soir, nouvelle vidéo. Et c'était bien le bruit de la chasse d'eau que vous entendiez derrière moi. Même si j'ai déjà reçu des messages me disant que c'était dégueulasse, je suis désolée, c'est la nature. Me faites pas croire que vous allez pas chier, les gars. Justement, on dira que j'ai changé le jour où je ne vous emmènerai plus aux toilettes avec moi. Ce jour-là, faudra vraiment vous inquiéter. Voilà la petite Juju qui parfois vous montre quand c'est un peu dur, comme quand je préparais ma compétition, qui sourit tout le temps, qui vous fait des stories, la tête dans le cul, en train de crier, en train de danser, en train de chanter n'importe comment. Disons plutôt peut-être que je me suis un peu plus révélée, que ça m'a permis de prendre encore plus confiance en moi, que ça m'a permis de développer des projets que j'aurais peut-être pas pensé développer. Qu'est-ce que je retiens de plus beau comme souvenir de cette année? La rencontre. Ça va les chevilles, Bibou? Au secours. Donc les petits chats, du coup, ce que je retiens de plus beau de cette année, c'est ma rencontre avec Thibaut. En réalité, ce que je retiens de plus beau cette année, c'est ma compétition. Bien sûr, Bibou. Avais-tu confiance en toi avant de démarrer la musculation? Eh bien, la réponse est tout simplement non. J'avais pas du tout confiance en moi, j'étais pas du tout souriante. Au contraire, j'étais quelqu'un de très triste, assez pessimiste, très fatiguée aussi parce que à force de ne pas manger et de courir comme un petit rat, comme un petit rapin. C'était un mélange de rabbit et de lapin, ça a donné rapin. Je pense que je vais demander à ce que ce mot intègre le dictionnaire, oui. Forcément, j'étais épuisée, donc jamais vraiment de bonne humeur. Oui, la musculation m'a permis d'avoir confiance en moi, de reprendre confiance en moi. Est-ce qu'un jour tu voudrais reprendre l'équitation? Je pense qu'un jour j'aurais très certainement envie de remonter à cheval. J'en ai fait quand même pendant plus de 15 ans, donc c'était vraiment quand j'étais enfant ma passion numéro 1. Clairement, il n'y avait rien de plus important dans ma vie que mon poney. J'étais littéralement plus amoureuse de mon poney que de mon mec, mais pas forcément tout de suite parce que tout simplement le métier qu'on a, c'est un métier qui nous prend beaucoup de temps.
Oh, comment est-ce que tu gardes la tête sur les épaules? Le jour où Thibaut m'a fait la surprise, en l'espace d'une nuit, je suis passée de 20 000 à 100 000 abonnés. C'est quelque chose que je ne dis pas souvent, mais moi ça m'a fait plus peur qu'autre chose. Et en fait, je me souviens m'être réveillée le matin et avoir dit à mes proches mot pour mot, si un jour vous voyez que je change et que je plane à 10 000, 2-3 claques dans la tronche et je redescends sur terre direct. Du coup, bah, j'ai la chance d'avoir une famille et des amis qui sont très terre à terre et qui du coup, je pense, m'aident énormément à le rester aussi. Et puis bah, faut pas se cacher aussi que Thibaut c'est un grand soutien à ce niveau là parce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ça m'aide aussi énormément, c'est ce qui m'a permis de garder la tête froide aussi et de pas prendre peur ou de pas changer de comportement ou de pas devenir quelqu'un que je suis pas du tout. Je resterai toujours qui je suis, toujours avec mon naturel qui peut plaire ou déplaire. J'y peux rien, je suis comme ça, je peux pas changer. Je peux pas me mettre à me maquiller du jour au lendemain parce que ça plaît pas à certaines personnes que je sois démaquillée. J'ai toujours été comme ça, je suis pas du genre à passer 10 ans dans la salle de bain, je suis pas du genre à faire des chichis, à cacher ce que je pense, je suis quelqu'un de franc et ça plaît pas toujours, mais on peut pas plaire à tout le monde non plus. Et à partir du moment où ça plaît une majorité d'entre vous, bah j'ai pas de raison d'être quelqu'un que je ne suis pas. Penses-tu que tu es plus connue et suivie grâce à ton couple avec Thibaut? Bien évidemment, j'avais commencé mon compte Instagram 2 ans avant de le rencontrer. J'avais déjà une communauté d'à peu près 16 000 personnes, donc ce qui commençait pour moi à être juste énorme. Je me souviens encore quand j'ai passé les 10K, c'était incroyable. Pour moi, c'est un concours de circonstances dans le sens où j'ai choisi de participer à sa vidéo, donc quelque part ça s'appelle créer sa propre chance. Ensuite, et ben Thibaut a décidé de me sélectionner pour sa vidéo. Vous, la Team Shape, avez décidé de me choisir comme Miss. C'est trop bizarre de dire ça comme ça, j'ai envie de lever la main et de vous saluer quoi, au secours. C'est ce qui m'a permis d'avoir une visibilité beaucoup plus importante et que vous me découvriez. J'en ai pas honte du tout. Pour moi, ça veut dire tout simplement que Thibaut a eu confiance en moi, confiance en mon travail, en la personne que j'étais et en ce que je pouvais peut-être apporter sur YouTube ou sur le réseau, etc. Et je suis très fière que vous aussi, la Team Shape, vous m'ayez fait confiance et que vous preniez plaisir à partager mon quotidien. Le plus important chez une femme, le naturel et la spontanéité. En fait, tout simplement, être soi-même. Quand je dis le naturel, il faut pas tout de suite se dire « Attention, pas de maquillage, pas de beaux vêtements !» Non, non, non. Je respecte totalement les filles qui adorent s'habiller très joliment et qui ont des goûts en matière de mode beaucoup plus sûrs que les miens, d'ailleurs. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous notre propre définition de ce qu'est être naturel. Être naturel, pour moi, c'est simplement ne pas jouer un rôle, c'est être soi-même, être la personne avec laquelle on se sent bien. Pour moi, c'est vraiment le plus important chez une femme, c'est qu'elle s'assume avec ses choix comme elle est. Et pour moi, c'est comme ça qu'elle rayonnera le mieux, que ce soit auprès des autres femmes ou auprès des hommes. Plutôt le soir ou le matin, le sport. Alors moi, je suis team matin, les gars. Je trouve ça trop bien de s'entraîner le matin parce que ça te réveille le corps, ça permet de te mettre en forme. Et j'avoue que le soir, franchement, j'ai pas assez d'énergie. Après toute la journée de boulot dans les pattes, j'avoue que je suis beaucoup moins motivée à m'entraîner le soir. Tour de poitrine. Vous êtes gênant. Je m'assume. C'est Bibou, il a dit que je devais dire que je m'assumais. J'assume ma petite poitrine, elle me va très bien. C'est très pratique parce que du coup je peux dormir sur le ventre. Et ça, tout le monde peut pas le faire. Pourquoi? Ah, Bibou! Est-ce que tu es fière de ton évolution sur YouTube? Mais comment je ne pourrais ne pas l'être? J'ai une des communautés les plus incroyables qui puissent exister sur YouTube. Vous êtes des amours, vous êtes extrêmement bienveillants, je vous le dis tout le temps. Oui, je suis très très fière de mon évolution, mais surtout très très fière de vous avoir, vous. Aimerais-tu faire une compétition de CrossFit? À votre avis, les petits chats, je vous ai laissé plein d'indices depuis le début de cette vidéo, donc j'espère que vous avez deviné la réponse. Ça faisait longtemps que j'avais pas répondu à vos questions et à chaque fois, c'est que du bonheur de pouvoir vous dévoiler un petit peu plus de choses sur moi, sur ma vie, sur mes projets en général. Merci aussi de l'accueil que vous avez réservé à la marque Team Fit 4 la semaine dernière. C'était juste incroyable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une... de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites. Non mais faut que j'arrête de croire que ça va marcher, vous ne pouvez pas me répondre. Ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.